des visiteurs. Vous venez m'admirer, n'est-ce pas? Prenez du recul pour mieux voir la scène. Vous voyez l'homme au centre de toutes les attentions? C'est mon propriétaire, Étienne-François de Choiseul, ministre et secrétaire d'État des Affaires étrangères, de la guerre et de la marine sous le règne du bien-aimé Louis XV. Sur chacune de mes faces, on le voit s'habiller, recevoir, travailler. Autour de lui, une vaste collection de peintures et d'objets d'art. Ma création entre 1770 et 1771 est contemporaine de la disgrâce brutale du duc de Choiseul en décembre 1770. Je suis la tabatière Choiseul. Un chef-d'œuvre de l'art de la miniature. Un témoignage unique de l'intimité et du prestige d'un des ministres et collectionneurs les plus importants du XVIIIe siècle. Suis-je une commande du ministre avant sa chute? Un souvenir de sa grandeur d'antan? Une chose est sûre, je n'ai pas encore révélé tous mes secrets.